Salut à toutes et à tous, c'est Gaius, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour aller récupérer gratuitement Goinfrex. C'est le Pokémon qui est distribué dès le début du jeu en fait. Pour cela, vous devez vous rendre dans le cadeau mystère. Donc c'est valable à partir du 18 novembre, recevoir un cadeau via internet. On va se connecter à internet, et oui. Du coup, il cherche un cadeau. Alors ce Goinfrex a une va avoir, si vous utilisez... le cristal Z, enfin j'en dis pas trop. Il y a une attaque spéciale à faire avec le... Voilà, Goinfrex, c'est une ronflée zélite. Voilà, c'est ça, voici Goinfrex, le Pokémon Goinfre. Faites-le évoluer en ronflex et faites-lui tenir la ronflée zélite que vous avez reçue dans le jeu pour qu'il puisse utiliser sa capacité Z. Gare au ronflex. Voilà, du coup on va le récupérer tout de suite. Oh, il arrive, c'est mignon. C'est joli. Le voilà, il est là. Je ne sais pas quel niveau il est, d'ailleurs on va aller voir un petit peu... Oh, sympa. Merci d'avoir joué à Pokémon, à les récupérer. Bon, du coup, on se retrouve tout de suite pour les récupérer. Donc, vous vous rendez dans n'importe quel centre Pokémon d'Alola. Vous allez parler à ce jeune homme avec le t-shirt orange rayé bleu. Alola, vous devez être Ophélie, j'ai reçu un cadeau pour vous, le voici. Donc, il contient un Pokémon, vous le récupérez. Oui. Voilà, donc on reçoit le Goinfrex. Alors, je vous mets la date. Il me semble que c'est en janvier ou février qu'on ne pourra plus la voir. Donc, je vous mets la date dans la description, lisez-la bien. Goinfrex, donc il est là. On va aller voir un peu ses caractéristiques. Voilà, donc c'est Goinfrex, Pokémon Goinfre. Bon, ça vous le lirez. On peut donner un surnom au Goinfrex, ce qui est rare de le faire. D'habitude on peut pas, enfin il me semble. Du coup, bah bon, on va pas en donner pour l'instant. Il a rejoint mon équipe. Ce cadeau vous est offert avec une ronflée zélite. Tenez. J'espère vous revoir bientôt. Alors du coup, on va aller voir le Pokémon Goinfrex, donc, dresseur d'origine, c'est moi en fait, voilà, c'est pour ça que je peux le renommer. Il a le talent Isogresse, qui divise par deux les attaques de type glace et feu. Il a une nature qui augmente la défense spéciale et baisse l'attaque spéciale. La nature est aléatoire, voilà, moi il est prado. Il est prudent de nature, contré par la force du destin. Donc voilà, n'hésitez pas à le récupérer, je vous mets la date de fin dans la description. Et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Je fais la série Soleil et Lune pour ceux qui viennent tomber sur cette vidéo par hasard. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou sinon regarder le premier épisode de mon aventure sur Soleil et Lune. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Gaius, ciao ciao.